dans des trucs géniaux. Un jour, on avait, quand j'étais avec l'orchestre du Pays de la Loire, le Philharmonique des Pays de la Loire, on est allé au Saint-Florent-le-Vieil. Oui, ah, un festival. Ah, ah, Julien Gracq, Saint-Florent-le-Vieil. Tu connais ça? Ah, ah, mais les pèlerinages, c'est les pèlerinages, Saint-Florent-le-Vieil, j'ai embrassé les marches. Saint-Florent-le-Vieil. Ils ont fait le filmeur du point de vue. Ah, dis donc, la lumière est bien. C'est le point de vue du filmeur. Le point de vue du filmeur, du filmeur, du point de vue du. Et nous, on avait le chœur et l'orchestre devant. Et je te jure, c'est génial ça. C'est des trucs que tu te dis, moi j'aurais bien aimé continuer à faire ça. Ah, la grue, parce la grue est ratée. Sur un film, faire du chant, c'est super génial. Ce qui me gêne le plus dans le chant, c'est pas les notes, c'est la langue. Ah. C'est-à-dire, c'est en français, c'est toujours assez moche. De batterie, je suis même pas foutu de faire un autre plan. Il filme mon pied là. C'est l'histoire du lacet de ce matin. Arnaud, je suis jaloux parce qu'il va très très vite. Il a un appareil qui va le plus vite du monde. Les gens qui font du journal filmé. Mettre dans ma masque, tu veux dire. Souvent, on joue un truc, c'est la vitesse, combien de secondes il faut pour se mettre à tourner. Moi, quand je tourne un film entre guillemets plus normal, j'ai une caméra qui pèse 20 kg, un pied qui pèse 30 kg. Il faut deux sacs, le poser, vérifier la batterie, le niveau du son, le micro, machin. Il faut 10 minutes pour s'installer et faire un plan. Avec mon téléphone, il me faut 4 secondes. Et en fait, quand je lis l'espèce de truc, sentir quelque chose et vraiment pas réfléchir, c'est toujours le truc qui est bizarre. Capter l'instant présent. On capte un instant et on capte ce qu'on ressent à ce moment-là. Nous, derrière la caméra. Donc c'est pour ça que les GoPros, c'est niet. Faut que ça soit un geste. Faut décider qu'on filme quelque chose, prendre le temps d'appuyer. Et puis du coup, le début, il va peut-être un peu rater, mais c'est pas grave, ça veut dire quelque chose aussi. C'est fragile. C'est-à-dire que par le cadre, vous allez dire, je mets un petit peu, par exemple, moi je pourrais, admettons que je le fasse là, ça je le fais dans le sens où vous ne pouvez pas. Je me dis, voilà, si je devais, j'ai ma consigne dans la tête, que je ne vous donne pas encore. Donc, je dis, si j'avais ma consigne, je me dirais, d'accord, je peux me servir de ce poteau-là au centre, parce que les petites fleurs jaunes là, je mettrais quand même un petit peu la haie là, de ce côté-là, je ne veux pas montrer la voiture, donc oui, ça pourrait le faire ici. Non mais avec mon pansement je peux pas appuyer sur le bouton. Ah, mais voilà, et là j'ai perdu le bon angle. Attends, est-ce que ça est... On a fait des sons du vent. Ah oui, là tu vas, à mon avis, tu vas avoir du vent.
Eh bien, faut chercher qu'est-ce qu'il y a entre le son et l'espace. Ils sont où, les corbeaux? Ça va être long de tenir le téléphone pendant 8 minutes. Non, mais je vais juste les débuts, c'est ça qui m'intéresse. Ah, la mise en scène. Nous avons la preuve qu'Arnaud Delacote triche avec le réel. Enfin. Moi aussi, moi c'est tous les jours. Non, parce que ça, c'est trop une idée, ça. Faut dépasser l'idée. C'est juste la sensation. Le son des corbeaux, là. Eh ben, faut chercher qu'est-ce qu'il y a entre le son et l'espace. Ils sont où, les corbeaux? Pas d'histoire d'Égypte et tout ça, parce qu'en fait je crois que c'est toujours mon truc, moi si j'ai pas un petit spot. Mais oui, mais c'est prévu hein. Un petit spot pour dormir, en fait ça me permet de. Je suis vraiment je un me ours. Je me rappelle de Cherbourg. Je suis vraiment un ours. Merci hein. N'oubliez pas d'aller voter. Non, je crois qu'on va aller voter. On va même bien voter. Merci pour l'accueil. Salut.